Bonjour, je m'appelle Pierre de chez Rivolier, je suis chef de produit pour 3M Peltor. 3M, qu'est-ce que c'est ? C'est une société basée sur l'innovation qui a été créée en 1902. Et c'est alors une société qui s'est diversifiée dans beaucoup d'univers. On les trouve partout, on les trouve dans notre voiture, dans votre téléphone, dans votre PC, dans votre maison. Ils sont vraiment partout, ils ont innové dans beaucoup, beaucoup d'univers. Et ils ont racheté en 2008 la société Peltor, qui est devenue 3M Peltor. 3M Peltor, une société qui, depuis 50 ans, est spécialisée dans l'ensemble des EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle qui vont vous protéger à la fois sur les pieds, sur la vue, sur les masques, mais également les casques. On a énormément de produits dans les gammes de 3M Peltor. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les gammes de protection auditive qui sont adaptées à la chasse et dans l'univers également du tir. On a différentes typologies de produits chez 3M Peltor. Il y a des produits qui sont dits passifs et d'autres électroniques. Passifs, c'est-à-dire qu'ils vont uniquement couper le son, et électroniques qui vont également, eux, moduler le son de deux façons différentes. D'abord, en coupant toutes les fréquences qui sont au-delà de 90 décibels, qui vont être nocives pour l'oreille, et après en amplifiant ou en modulant ces sons de différentes manières, à différents niveaux, en fonction des produits, sur les produits que je vous présentais, donc dans deux typologies de produits, passifs et actifs, mais également deux sous-familles avec les casques et les bouchons d'oreille. Pour vous parler tout d'abord du best-seller, c'est le Sportac, c'est le produit que tout le monde connaît, c'est la référence des casques de protection auditive sur le marché français. 3M a encore innové, ils ont rendu un produit avec un look un peu plus sympa, une autre version du Sportac de base qu'on connaît avec les versions des coquilles orange, verte, noire et rouge. Là, ils nous ont présenté deux produits avec un orange digital camo et un vert digital camo, qui est un peu plus dans l'air du temps, qui est un peu plus sympa, ils innovent dans le look. La grosse performance et l'innovation vient pour moi de la partie gel. Donc ils ont intégré un gel ici qui a plusieurs avantages. Le gel, il permet de tout simplement d'avoir une partie un peu plus fraîche au niveau du casque. On a un confort qui est supérieur du fait que le gel va être plus adapté, va mieux s'adapter au contour de notre oreille. L'autre avantage aussi, c'est que quand on met des lunettes, le son va être conduit par les branches, et si on met une lunette, le son va aussi passer puisque la branche de lunette va pousser un petit peu le produit. Et de fait, on aura une moins bonne protection. Avec le fit gel, on limite ça. C'est un produit qui est extrêmement technique. Il va, comme j'expliquais tout à l'heure, couper les fréquences au-dessus de 90 décibels et moduler le son, celui-là sur 66 niveaux différents. Il est très pratique aussi parce que les petits boutons qui vont permettre de faire les réglages, ils sont hyper simples, hyper accessibles, le plus le moins, pour moduler en fonction de son environnement. Si on est posté, arrêté, en battu, on va le mettre plus fort pour entendre ce qui arrive. Et si on est en marche active, pour le coup, on va baisser au minimum pour pouvoir marcher sans être trop gêné par l'amplification des bruits des feuilles sur lesquelles on va marcher. C'est un son qui est également rendu en stéréo. Et donc, on aura une rendue parfaite du son, qu'il vienne de devant ou derrière, donc on sait d'où ça vient. Il y a une autre gamme qui a été faite aussi par Peltor, qui est un produit qui est intermédiaire, qui est un bon produit avec un bon rapport qualité-prix. On va retrouver la même technologie qu'on a dans le Sportac. La différence, la première, c'est que ce produit ne peut pas se plier. Le Sportac, lui, il suffit de resserrer les arceaux et après, on peut le replier comme ça. En termes de rangement, c'est quand même beaucoup plus pratique quand on le remet dans son sac. Et on a une finition qui est un peu moindre au niveau de l'arceau. En termes d'amplification, on va amplifier sur 5 niveaux différents et on aura une autonomie de 600 heures sur celui-ci et de 300 heures sur celui-là. Donc on a un produit qui va être positionné ici à 199 €. Avec les kits hygiène gel, on aura 75 € supplémentaires. Et là, à 125 €, on a un produit qui fait le job, si je puis dire, et qui est déjà bien complet avec la technologie et l'innovation 3M. Donc voilà pour les casques électroniques. Les casques passifs, il y a toute une gamme. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est plus le casque est épais, plus il va vous protéger. Je vais vous présenter aujourd'hui juste le X4A. Donc cette gamme-là est particulière parce que c'est un contre-exemple par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que lui, c'est le meilleur ratio en termes de performance, de protection et d'épaisseur de coque. C'est-à-dire qu'il est le plus fin en proportion et celui qui protège le mieux. À 33 décibels de SNR en atténuation. Et en plus, ce qu'on va trouver sur ce kit-là, à la différence des autres, c'est un petit kit Bluetooth. Donc on a un petit micro intégré là. Et là, on va retransmettre le son qu'on va recevoir depuis son téléphone ou un Toki s'il est Bluetooth. Donc ça, c'est un vrai petit plus que présent 3M. Et dans la version Trap également, il est utilisé par
par les meilleurs, à savoir Emmanuel Petit en skit, en discipline olympique de trappe, qui utilise ce produit-là. Pour vous parler maintenant des produits électroniques dans la gamme de bouchons, on a deux produits qui se dégagent aujourd'hui sur le marché, les deux dernières nouveautés, c'est les EEP 100 Orange et les LEP 200 Orange. On a dans les deux cas des protections intra-auriculaires. À la différence du casque ici, qui vient superposer à l'oreille, on a un petit bouchon qui vient se fixer tout simplement dans l'oreille avec différents embouts qui vont s'adapter à la taille du conduit auditif. Donc ce conduit auditif là, il est différent en fonction de la personne qui va l'utiliser. On a tous des oreilles différentes, on est tous plus ou moins grands, petits, et on aura des tailles de bouchons de la même manière pour nos oreilles qui vont aller dans le pavillon en fonction de notre pavillon. Donc pour le mettre, ici, il suffit de mettre la partie un peu grosse sur le haut, de le tenir comme ça, et on va soulever l'oreille pour ouvrir le pavillon, le glisser, un quart de tour vers l'arrière, et là, il vient se loger naturellement dans le lobe de l'oreille. Pour le mettre en route, il suffit d'appuyer pendant une seconde, on entend un petit bip. Ensuite, on vient figer le deuxième bouchon de la même manière, le deuxième bouchon, il vient se caler de la même manière. On enfonce la partie haute vers le haut, un quart de tour vers l'arrière, on appuie. Les deux bouchons sont indépendants. Petit avantage par rapport à un casque standard, c'est que les deux bouchons sont indépendants. On parle beaucoup de surdité du chasseur. Quand le chasseur va tirer épaulé à droite, souvent s'il n'a pas de protection, son oreille gauche, qui sera plus près du canon en angle, va être davantage meurtrie par le coup de fusil. Donc, à force de coups de fusil répétés, l'oreille gauche sera plus sourde. Et donc, on peut compenser cette surdité avec des niveaux différents d'atténuation sur les deux bouchons. Contrairement au Sportaculi amplifie sur 66 niveaux différents, là de la même manière on va pouvoir moduler le son, on coupe toujours au-delà de 80 dB et en dessous on va moduler. Ici ça va être sur le EEP 100 Orange, moins 6, 0, plus 6 dB. De la même manière on va s'adapter le niveau sonore en fonction du contexte. En battu on mettra plus 6 et si on en chasse active au chien d'arrêt, on va marcher devant soi, marcher sur des branches, on va passer à moins 6 pour ne pas être perturbé par un bruit qui vient s'amplifier et à la fin avoir une tête un peu gonflée si on a trop d'informations trop fort dans les oreilles. Donc là on peut moduler comme ça le son et on passe une bonne journée tout en étant protégé. Les petits plus, donc il y a deux gammes de bouchons ici qui sont présentées, donc ceux qui sont en mousse et les ultrafit qui sont en plastique, trois tailles sur les ultrafit en plastique avec une atténuation de 32 décibels, 36 avec les CCC qui sont une mousse intermédiaire et les torques 38 décibels. Le Sportac, pour information, avec le kit gel, va protéger à 28 décibels. Donc l'atténuation sera plus forte avec les bouchons. Tout ça pour vous dire qu'on est mieux protégé avec les bouchons. Beaucoup de personnes disent que, attention, l'oreille externe, là, va être perturbée par les coups de fusil ou carabine. C'est uniquement le cas en cas de blast, de gros coups de canon militaire. Un char, par exemple, va générer un blast, un gros souffle qui va venir endommager l'oreille externe. Si vous tirez avec des gros calibres, du 338, ce ne sera pas le cas, ça ne va pas vous endommager l'oreille externe. Donc pour tous les calibres de chasse, cette théorie un peu fumeuse de dire que la oreille externe est abîmée, c'est pas le cas. Vous serez mieux protégé avec les bouchons. Ces bouchons-là ont une autonomie de 16 heures. 16 heures et ils vont se recharger de la manière suivante avec un petit cordon USB qui est fourni avec et on va le brancher ici avec un USB standard qu'on va pouvoir mettre sur son allume-cigare ou chez soi recharger pendant 3 heures. Pour avoir une charge complète. Petit plus également, ce qui est fourni dans ces bouchons, c'est la possibilité de rajouter des petites mousses anti-vent. Les mousses anti-vent, qu'on vient figer juste sur le bord ici, permettent, une fois posé, ça donne ça, de diminuer l'effet néfaste du vent. Quand on est posté, souvent, on est en extérieur et on a la problématique du vent qui vient polluer un petit peu le son qui est amplifié. Et de fait, avec ces mousses, on diminue cet effet néfaste. Le dernier produit de la gamme, c'est le LEP 200 Orange. On voit tout de suite une différence de taille avec le EEP 100 Orange. Dans les deux cas, on a des produits qui sont encore plus compacts qu'un casque qu'on va pouvoir glisser dans sa poche à la fin de la chasse. Et c'est vraiment pratique pour ça. On a une recharge qui se fait ici en plus avec des piles. On a toujours la possibilité de charger en USB. Là, on a 1h30 de charge pour une charge complète, contre 3h ici. L'autre différence avec ce petit bouchon-là, c'est qu'on va pouvoir charger ce produit-là, le mettre dans ses oreilles et avoir une amplification qui, elle, sur 4 niveaux. Là, on était, rappelez-vous, à moins 6, 0, plus 6, et là, on a moins 6, 0, plus 6, plus 10. Donc, on aura une amplification supérieure. On a toujours
un son qui sera rendu en stéréo. D'où vient le son, on l'entend parfaitement et on peut identifier parfaitement d'où vient le son. Je répète juste qu'il est important de bien vérifier au moment où vous mettez le bouchon, puisque s'il y a un petit peu de son qui dépasse, il faut de temps en temps mettre un peu la main sur l'oreille, se déplacer, si on entend un petit sifflement, c'est qu'il y a de l'air qui passe. Et donc là, il faut tester différents bouchons pour être sûr d'avoir le bon qui est bien adapté à sa taille, pour être bien protégé. Élément important aussi, c'est les avantages de ces produits-là. C'est le dernier en l'occurrence, c'est qu'il peut être compatible avec des talkie-walkie. C'est une technologie qui est très complexe. Je vous parlais de 3M qui est une technologie d'innovation. Ils ont créé un univers avec le Neckloop, qui est un produit qui permet de se brancher un talkie-walkie, un petit cordon qui vient en plus. Et ce produit-là va générer un arc électrique qui va communiquer directement l'information qui est branchée au talkie ou au téléphone. Donc c'est un petit truc en plus qui vaut quand même 170 euros. Ce LEP200 vaut la modique somme de 599 euros et le EP100 est positionné lui à 299 euros. Gros plus par rapport au casque, quand on a juste des petits bouchons, on n'est pas embêté si on veut mettre un chapeau, ce qui est compliqué avec un casque, un béret ou n'importe quel produit sur sa tête, mais également les lunettes, on n'a plus de problème. Et enfin, on n'a pas de problème non plus de grosse chaleur en été. Si on fait une grosse session de ball trap en été, on va vite avoir chaud avec un casque, avec les petits bouchons, on élimine ce problème. Voilà, j'espère que vous avez été satisfait de l'ensemble de présentation des produits 3M. Et puis, je vous souhaite un bon salon et à très bientôt.